Coucou tout le monde! Coucou! Alors, on commence cette vidéo. Alors là, on est le matin. Les enfants, alors Arthur, il vient juste de se réveiller. Il était KO. Maëlys, elle s'est réveillée. Il était 8h30. Là, Arthur, c'était le dernier à être levé. En fait, la première qui s'est réveillée, c'est Clara, comme souvent d'ailleurs. Elle s'est levée à 7h30. Moi, je m'étais réveillée en même temps qu'elle parce qu'elle m'a réveillée dans mon lit. Ensuite, Jules, il s'est levé un quart d'heure après. Maëlys, à 8h30. Et Arthur, là, il vient de se réveiller. Arthur, c'est celui qui a le mieux dormi parce qu'il est 9h26. Par contre, vous, les garçons, vous avez pas déjeuné, hein? Jules, t'as pas déjeuné encore, hein? Faudrait, hein? Oui, maman. Vous voulez qu'on aille chercher un truc? Bah oui, parce que j'ai faim. Bah oui, c'est sûr. Oui, allez-y. Ah, mais décale-toi! Oh, Jules, fais attention! Ça va, Maëlys? Oui, ça va. Tu l'as fait tomber! Et moi, je suis le premier, tatatatater! J'ai une idée d'une blague que je peux faire à Jules. Faut pas que maman, elle me voie, hein. Vous dites rien, les amis, hein. Chut! Alors, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, y a quoi? Bah, regarde, hein. Il y a une compote là. Tu la veux? Ouais, trop bonne. Elle est à quoi? Elle est à la pomme. Comme tu les aimes. T'en prends une? Allez. D'accord. Et au fait, il est où, Arthur? Bon, mais oui, c'est vrai où il est. Les filles, vous l'avez pas vu? Non? Yo, maman! Hein? Oh, Arthur! Mais qu'est-ce que tu fais là, dis donc? T'as pas le droit d'être là normalement. Tu peux tomber en plus. Regarde ton micro-ondes. Attention, Jules! Il s'est pris une micro-ondes dessus. Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bon sang de bonsoir! Viens ici! Mon! Alors là, je suis vraiment pas contente. Qu'est-ce que t'as fait avec le micro-ondes? Tu l'as lancé sur ton frère! Espèce d'imbécile! Va au coin! Une fessée! Aïe! Ça t'apprendra! Tu l'as pas volé, hein? Tu m'excuseras, mais là, tu méritais une bonne fessée! Tu lui as fait très très mal! Tu m'as fait mal! C'est bien fait pour toi! Tu méritais une bonne fessée, là, hein? Tu te rends compte la douleur qu'il a dû avoir? Ah, c'est rare que je mette une fessée, mais là... Tu l'avais bien mérité, parce que là, tu as dû lui faire extrêmement mal. Et en plus, le micro-ondes, il aurait pu être cassé. J'espère que c'est pas le cas, sinon je prends des sous sur ton compte. Non! Si, si! Je crois bien que tu vas être privé de télé si ça continue, hein? T'es infernal! Retourne-toi maintenant! Tu mériterais une deuxième fessée! Retourne-toi! Tu peux pleurer! Hop! Voilà! Tu regardes le mur! C'est inutile de pleurer. Non mais franchement, tu te rends compte la douleur qu'il a dû avoir, ton frère? C'est pas bien, hein? C'est vraiment pas bien. Oh, tu t'es fait mal? J'ai mal à la tête. Oh mon loulou. Oh là là. Il en fait quand même. Fais voir l'état de mon micro-ondes. Ah déjà, il fait du bruit, il remarche. Heureusement, il n'y a rien dessus. Le pauvre micro-ondes, il aura déjà subi, hein. C'est pas la première fois que qu'il se passe des trucs comme ça. T'as dû le sentir passer quand même, hein. Tu m'étonnes, ça fait trop trop mal. Ah oh bah, je veux bien croire, hein, parce que franchement... Oh, quel imbécile. Je devrais pas dire ça, mais je suis énervée, hein. Franchement, il abuse. Il abuse vraiment, même. Voyons voir ce que j'ai là-dedans. J'ai pas mal de pansements, t'en veux un? Pour te faire plaisir? Oui. Oh, il a dû avoir mal, hein. Je t'en mets un Peppa Pig. Voilà, tu t'allonges. C'est là que t'as mal? Je sais plus. Faut que tu me dises, hein. Attends, je vais déballer le pansement. Regarde le beau pansement que tu vas avoir. Là? Oui, là. Voilà. Tu veux boire un coup? Oui, maman. Tu me fais pitié, je te jure. C'est bon, j'ai fini. Bon bah maintenant tu vas pouvoir manger et puis bah ton frère il va s'excuser hein.
Il exagère, hein. Ah, je lui ai foutu une sacrée fessée, hein. Vous m'excuserez pour ma tête, je suis pas coiffée. Faites pas attention, ma foi, je suis désolée. Maintenant, Arthur, tu vas présenter des excuses à ton frère. Immédiatement. Bah oui, hein. Pas exagéré, hein. Il a un pansement. Il saignait? Bah non, mais bon, hein, il a une sacrée bosse sur la tête quand même, hein. À cause de toi, en plus. Tu devrais avoir honte, Arthur. Désolé, Jules. C'est bien. Maintenant, vous faites la paix, hein? Oui. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça fait mal! Tu te rends compte? Regarde-moi, Arthur. Il a dû se faire très, 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 très mal. Tu sais qu'il s'est pris le micro-ondes quand même en pleine figure, hein? J'ai vu, hein? Ça, c'est sûr que là, t'as dû avoir super mal. Ah oui, hein, le pauvre. Allez, maintenant, tu peux choisir ton déjeuner. En tout cas, je suis pas très contente quand même, Arthur, hein, tu sauras. Je suis fâchée contre toi, hein, parce que il aurait pu aller à l'hôpital pour ça. On a eu de la chance encore. Oui. Bon, allez.